Salut, comment tu vas? Alors aujourd'hui, je suis en harmonie avec le vent pour te parler de photographie intuitive. Donc ça me trotte dans la tête depuis ce matin. Je regarde si mon micro est bien. Parce qu'il y a beaucoup de vent. Je lui ai demandé de se calmer un peu pour que je puisse tourner ici. On verra. Alors, ça me trotte depuis ce matin. Voilà pourquoi la photographie intuitive. Donc, personne ne m'a posé la question spécialement là maintenant, mais j'avais envie de parler de ça. Donc je parle de ça. Voilà. En plus, en ce moment, je reprends les ateliers de photographie intuitive, donc je me suis dit que c'était le moment de t'en parler. Alors, comment j'en suis venue à ça? Alors, comme tu le sais ou comme tu ne le sais pas, je n'ai pas fait d'école de photo, je n'ai pas appris la photo dans un cadre très académique. J'ai toujours aimé la photo, je me suis toujours amusée à bidouiller les appareils et tout, donc je n'ai pas encore fait d'argentique, j'espère un jour apprendre l'argentique. C'était pas le sujet de la vidéo. Oh, quel vent! Et où est-ce que j'en étais? Voilà, photographie intuitive. Donc, comment ça m'est venu? Déjà, en fait, j'ai mis assez longtemps à m'assumer en tant que photographe. Ce n'est pas une blague. En fait, je voyais beaucoup. Je travaillais en tant que coiffeuse maquilleuse avec beaucoup de photographes qui avaient beaucoup de matériel et qui étaient. Quand même assez doué techniquement parlant en fait. Et dans certaines photos, qui étaient magnifiques, hein, techniquement, j'ai rien à redire et tout, mais je n'arrivais pas à trouver une âme. C'est peut-être un peu bizarre ce que je suis en train de te dire, et je me suis dit, bon, cette photo est parfaite, mais j'arrive pas à trouver une âme, je comprends pas. Et j'ai continué ma pratique de la photo tout en me disant que je n'étais pas photographe. Ça a été tout un processus pour moi. Et le déclic a vraiment opéré quand j'ai fait le projet à Nantes, que tu peux voir dans la vidéo numéro 3. En fait, je me suis rendu compte. Alors, déjà, on m'a fait confiance pour un projet alors que je n'avais pas l'étiquette de photographe. Et on m'a beaucoup fait remarquer que j'avais un regard particulier sur les choses et tout ça. Et moi, je ne comprenais pas. Je dis, ouais, mais moi, je n'ai pas appris la photo. Vraiment, quoi. Alors, pourquoi les gens, ils me disent ça, quoi? Donc, ça m'a un petit peu torturé l'esprit. Et en même temps, quand je photographie, je me sens comme dans un état méditatif. J'en ai parlé un petit peu dans la vidéo sur la méditation. J'ai dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quoi ma démarche? Donc ça m'a pris quand même un certain temps, le temps que ça monte au cerveau, tu vois le truc. Et donc après le projet aux machines à Nantes, je me suis quand même posé pas mal de questions. Je dis, bon, c'est quoi ma démarche? C'est quoi ma vision de la photo? Est-ce que je peux exercer en tant que photographe alors que je n'ai peut-être pas toutes les clés, enfin que je n'ai pas de diplôme de photographe, comment ça peut se passer cette affaire-là, quoi. Et en même temps, quand j'expose, très très peu de gens me parlent de technique, mais on me parle toujours de regard. Donc je me pose quand même des questions, toi. Le vent, s'il te plaît, calme-toi. Merci. Et ensuite, donc je me suis dit, vu que mon processus, c'est vraiment de rentrer, on va dire, en connexion avec ce que je photographie, donc que ce soit avec une personne ou que ce soit dans la nature, en fait, j'ai l'impression, tu vois, c'est comme si j'étais dans une bulle et que je suis vraiment connectée à la personne ou à l'objet ou à la plante que je photographie. Voilà. Donc, je dis comment ça s'appelle, quoi. Je m'appelle photographie méditative. Non, c'est un peu perché. Tu te demandes comment ça s'appelle, quoi, la manière dont tu photographies. Et ensuite, il y a la photographie intuitive qui m'est venue. J'ai fait, ah, mais ça, oui, ça, c'est parce que je me laisse guider par l'intuition. Donc, c'est. Voilà, intuitif, c'est bien. Je me suis dit, bon, est-ce que ça existe? Parce que, bon, si je veux transmettre ça dans des ateliers, photographie intuitive, est-ce que ça va parler aux gens? Enfin, voilà, toutes les questions que tu te poses quand tu veux lancer quelque chose et que tu n'arrives pas à trouver de choses sur le sujet. Et donc, je tape photographie intuitive sur Google, je trouve pas grand-chose, je trouve quand même deux, trois photographes pour cette démarche-là, dont une photographe que j'adore, avec qui je suis en contact actuellement, qui s'appelle Nathalie Lauzon, au Canada. Donc, hello Nathalie, qui parle super bien de photographie intuitive. Elle a même écrit un livre et tout ça, sur sa démarche à elle, comment ça l'a. Ah, je fais voilà, c'est ça. Voilà, il y a au moins une personne qui a la même démarche que moi, alléluia. Oh, trop bien. Non mais je l'ai vraiment fait comme ça. Hein. Et donc j'ai commencé à lancer mes premiers ateliers photo.
Donc c'est pas du tout des ateliers où je transmets la technique. Ça, je le fais plus en individuel quand des gens ont des projets particuliers, ils veulent travailler sur une thématique particulière avec une démarche particulière, ils ont besoin d'infos techniques. Là, je le fais en individuel. Mais dans les ateliers, c'est pas du tout ça que je fais. Dans les ateliers, en fait, j'apprends. Alors déjà, c'est un moment de pause dans le quotidien. Voilà, t'es là pendant 2 heures. C'est ta pause du jour, quoi. Et en fait, j'apprends aux gens qui sont là à apporter un autre regard sur le monde qui nous entoure, en fait. Parce que moi, je pars du principe que la beauté est partout. Alors peut-être que des fois, je passe pour une bisounours ou quoi. Mais en fait, c'est vrai. Et je pars aussi du principe que ce sur quoi tu vas focaliser, tu vas l'attirer à toi. Parce que dans les exercices, il y en a quelques-uns où je fais chercher des choses, des couleurs, etc. Et en fait, des choses qu'on n'aurait pas vues en passant devant tous les jours, en fait, en se focalisant sur une couleur en particulier, une forme en particulier ou un objet en particulier, mais en fait, on va en voir partout. L'autre jour, je suis allée me promener, et ça, c'était le week-end dernier, je me promène, j'allais ramener mon appareil, et j'ai vu une trace rose par terre. Ah, ben, je vais essayer de faire ma thématique du jour sur le rose, et en fait, j'ai vu plein de trucs roses. Pareil avec d'autres couleurs, enfin là, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai appelé mes ateliers Initiation à la photographie intuitive, et en fait, je me rends compte que c'est comme ça que je travaille tout le temps, quoi. Que ce soit dans la photo ou dans d'autres projets, c'est toujours l'intuition, enfin ce qu'on appelle l'intuition, la voix intérieure, c'est toujours quelque chose qui me guide, qui est au-delà de la logique en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Voilà, c'est pas forcément logique. Et des fois, tu sais, je vais voir quelqu'un et d'un seul coup, je vais me dire « Ah bah oui, tiens, faut qu'on fasse ça. » Ça va pas forcément être des choses très très préparées en amont. Voilà, c'est difficile à expliquer, en fait. C'est comme quand je parlais dans la vidéo... Je perds mon micro. Oh non, il est là. C'est comme je parlais dans la vidéo sur mon processus d'organisation. Vidéo que je trouve un peu brouillon, mais en fait, c'est ça. Donc pourquoi la photographie intuitive? C'est parce que, en fait, pour moi, donc la technique est importante, hein, je renie pas la technique, mais en fait, si tu as beau connaître toute la technique du monde, parfaitement ton appareil photo, tu sais tous les mécanismes, comment ça fonctionne, etc., si tu n'apprends pas à regarder, à t'arrêter, à observer, en fait, ça sert à rien du tout, quoi. Il n'y aura pas d'âme, en fait, dans ta photo. Voilà, pour conclure, c'est ça que je vais dire, en fait. C'est avant de vouloir, je sais pas, acheter un super appareil de fou, le meilleur sur le marché, ou avoir les meilleurs éclairages possibles. Enfin, en fait, avant tout ça, il y a vraiment une phase observation et un moment où tu arrêtes vraiment le temps et tu es là. Là, je suis vraiment présente, en fait. C'est comme si je parlais de photographie, enfin, photographie du moment présent. Voilà, c'est ça que je voulais te dire. Donc j'ai relancé les ateliers photographie intuitive, j'avais un petit peu arrêté en hiver, mais je pense que j'en ferai quand même en hiver, parce que l'hiver, il y a quand même pas mal de choses, de belles choses à photographier. Donc peut-être qu'il y aura des warriors l'hiver prochain qui oseront venir aux ateliers en hiver. Donc là, le prochain, il est à Paris, dimanche, donc il reste encore 4 places. Si tu veux nous rejoindre, je te mettrai le lien sous la vidéo. Voilà, si tu as d'autres questions à me poser sur ma vision de la photographie, je te répondrai avec grand plaisir. Donc je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Et en attendant, prends soin de toi, fais une pause, et puis prends le temps de regarder toutes les petites belles choses qu'il y a autour de toi, tu vas voir. Ça va changer ta vie. Salut !